Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Lounam Bat Allegra Zichrona Levracha, dont c'était dernièrement le 14 Adar, c'était l'anniversaire du décès. Alors notre commentaire hebdomadaire de Orachim Kadosh, le Rabbi Ham Ben Attar Zatzal, sur la paracha, parachat Kitissa, Shabbat prochain. Deber Hashem El Moshe, mort Dieu dit à Moshe de dire Kitissa et Rosh Bena Israël Fkudem. Lorsque tu compteras la tête des Bnei Israël, l'Ifkudem, lors de leur dénombrement. Maintenant, Ishkofer Nafsho, chacun donnera le rachat de son âme, l'Hachem, à Dieu, l'Ifkodotam, quand vous les compterez, l'Obayem Negev, l'Ifkodotam, il n'y aura pas d'épidémie qui va les toucher lorsque vous les compterez. On sait, comme explique Rashi ici, que lorsque on compte les Bnei Israël, alors il y a le Aynara qui peut se poser et il peut y avoir une épidémie, Hachem Ishmor, pire que Corona, Dieu nous en préserve. Donc pour empêcher cela, chacun donne une pièce, on compte les pièces. D'accord? Ça c'est le sens simple. Le verset continue, enfin le verset d'après, Zeitnu kol over lepekudim, voici, cela, ils donneront tous ceux qui passent le compte, d'accord, le dénombrement, Marsit à shekel, un demi shekel, beshekel à kodesh du shekel saint. Voilà, ça nous suffit pour le commentaire de Orachim Kadosh. Alors Orachim Kadosh va faire ici expliquer de façon allégorique et pose la question. On voit un tzaddik qui, chassé shalom, décède jeune. Il dit qu'il y a des réactions de deux types. Des gens qui ne sont pas bien construits au niveau religieux. Un, il dit, bah, regarde ce tzaddik, il a bossé toute sa vie, il a fait des misotes, il part, il est en voiture, le pauvre, à 35 ans, avec 6 enfants, bah, ça ne sert à rien. Si c'est comme ça la Torah, pourquoi je me casse la tête? Ça n'arrange absolument rien. Deuxième option, il dit, non, c'est certain que Hachem, lui, il est juste, et si quelqu'un part dans un accident, dans des conditions tellement terribles, d'accord, c'est clair que Dieu fait la justice. Ça prouve que ce tzaddik n'était pas un tzaddik, d'accord. Il a joué, mais en fait, en cachette, et regarder des films Netflix, d'accord, Hachem Ishmor. D'accord, alors, c'est pour ça qu'il est parti. Donc, deux réactions. Soit Dieu n'est pas juste, soit le juste n'est pas juste. D'accord. Et le Rav a expliqué que absolument pas. Et il fait entrer cette explication dans les versets ici. Kitissa et Rosh Bene Israël. Lorsque tu prendras la tête, littéralement, c'est quand tu vas compter la tête d'Israël. Mais tu sais aussi, c'est prendre. Quand tu vas prendre la tête d'Ibn Israël. Tu vas prendre un tzaddik. Tzaddik est la tête d'Ibn Israël. C'est un des dirigeants du peuple d'Israël. C'est grâce à eux que le peuple d'Israël le vit, etc. D'accord. Lorsque tu le prendras, c'est-à-dire quand Hachem prendra un des grands d'Israël. L'Ifkudehem, ça sera alors dans le sens simple, l'Ifkudehem, lors du dénombrement. Mais l'Ifkod, on voit que quand Ibn Israël part en guerre contre les Midianites, alors ils reviennent et disent Lo Nifkad Ish. Personne s'est absenté. Ça veut dire que personne n'a manqué. On dit aussi, je crois bien en arabe, on dit blabes. Blabes, en hébreu, c'est balipaket moshavo, que son siège ne soit pas, qu'il soit pas absent de son siège, d'accord. Donc, nifkad signifie, comme ça vous dites, n'est-ce pas? Non, au Maroc, je crois qu'ils disent comme ça, blabes, d'accord. Alors, nifkad signifie manquer, être absent. Alors, l'ifkudehem, c'est à cause de leur manque. Quand tu prendras la tête des Bnei Israël, un tzaddik, c'est à cause de leur manque. Les Bnei Israël, ils font des péchés. Autre explication, l'Ifkudehem, comme le verset après, il dit, Kol haover lepekudim, tout celui qui, alors le sens simple, c'est passe, comme ça je traduis, passe dans le compte, d'accord. Mais haover, on sait aussi transgresser à lepekudim sur les ordres. Pekudot, ce sont des ordres, d'accord. Ils vont transgresser les ordres de la Torah. Donc aussi ici, oui, le mot ici, l'Ifkudehem, signifie, c'est à cause de leur du fait qu'ils n'ont pas écouté les Fkudehem, les ordres de la Torah. Deux explications, les Fkudehem, ou le manque, qu'ils n'ont pas fait les mitzvot, ou le mot, les Fkudehem, qui signifie les mitzvot elles-mêmes, d'accord, les ordonnances, ils n'ont pas. C'est à cause de cela que la tête est partie. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Venetnu ish kofer nafsho. Chacun doit donner maintenant le rachat de son âme. Parce que si le tzaddik est parti, c'est à cause de vous, d'accord. Donc maintenant, il ne faut pas que ça continue. Ça veut dire que maintenant, on est redevable par rapport à Hachem. On va tout de suite expliquer comment est-ce qu'on fait ce rachat de l'âme. Bifkodotam, mais le Rav, il dit ici, Bifkodotam, lorsque va l'Ifkod, Pakad, ça signifie aussi, est arrivé. Lorsque va arriver cette chose au Bnei Israël, immédiatement, ils ne doivent pas attendre. Il faut que ça s'arrête, le malheur, d'accord? Parce que ça peut amener d'autres malheurs aussi après. Donc, il faut immédiatement que les gens, maintenant, fassent le rachat de leur âme.
Sinon, de façon à ce qu'il n'y ait pas une épidémie lorsque va leur arriver cette chose-là que le tzaddik il est parti. Qu'il n'y ait pas d'épidémie, parce qu'il est parti, mais ce n'est pas toute la facture, il y a encore d'autres factures, d'accord? Donc rapidement faites le rachat de votre âme avant que ce soit une épidémie, chez Mishmor. Comment on fait ce rachat de l'âme? Zeitnu kola over pekudim. Cela donneront tous ceux qui rentrent dans le dénombrement, ceux qui ont transgressé les péchés. Zé, c'est quoi ce Zé? Le Rav dit qu'il y a un midrash qui dit que comme le roi d'Israël est obligé d'écrire, il doit avoir deux Sefer Torah. Chaque roi d'Israël, il doit avoir deux Sefer Torah. Un qu'il a chez lui à la maison, un miniature qui porte sur lui. Comme ça, sans cesse, il est en étude de Torah, il se rappelle ce que dit la Torah, il fait attention, d'accord, il va dans la rue, il fait attention, etc. Pas par la Shonara, par ce qu'il ne faut pas, d'ailleurs, il est juste, d'accord, parce qu'il porte la Torah. C'est marqué qu'Hachem aussi, c'est le roi du monde, alors il a en face de lui une Torah qui est écrite. Et le Rav dit, quand c'est marqué ici, Zé, voici ceux qui donneront, alors Hachem dit voici à Moshe. Sur quoi dit voici? Sur une chose qu'il a devant lui, c'est faire Torah. Voici, c'est comment le kofer nafsho, c'est comment le rachat de leur âme, ça, voici, ça, étude de Torah, il faut étudier. Et le pauvre qui ne s'est pas étudié, il n'a pas eu la chance d'aller à l'Eshiva quand il était jeune, le pauvre, et j'en profite pour dire aux jeunes gens, pour l'année prochaine, venez à l'Eshiva, parce qu'en un an, tu apprends à étudier la Torah, il faut la peine pour toute la vie après, sinon tu restes un ignare. Alors, ces pauvres gens qui n'ont pas eu le mérite d'étudier la Torah, alors qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils donneront Marcy Tachekel. Il y a une autre solution, tu donnes de l'argent pour que les gens étudient à ta place. D'accord? Grâce à cet argent, on va étudier. Donc tu as un mérite d'étude, mais ce n'est pas aussi fort que si tu étudies toi. D'accord? Les gens qui disent je vais faire beaucoup d'argent, je vais tenir beaucoup d'échivotes, ça vaut moins que ton étude à toi privée. D'accord? Étudie-toi, il faut aussi de l'argent, je ne suis pas contre, d'accord? Mais étudie parce que ça, il faut que toi tu saches étudier la Torah Bezrat Hashem. Sinon, avec l'argent, c'est quand il n'a pas pu, c'est pas de sa faute, d'accord? Il n'a vraiment pas pu. Alors dans ce cas-là, l'argent qu'il donne, il a aussi une valeur d'étude de Torah. Voilà, ça c'est pour le merci pour le. Et je rappelle deux histoires qu'on voit avec cela. Le frère de Baba Sali s'appelait Baba Haki. Yitzhak, chez le Marocain c'est Haki, Baba Haki, d'accord. C'est un grand sadique aussi. Et un soir, il est venu avec quatre autres personnes, venu voir Baba Sali. Et le soir, il va partir. Je lui dis reste, passe la nuit ici. Non, je rentre. Il part. Baba Salé dit à son ami qui restait ici, il enlève ses chaussures, dit voilà, maintenant mon frère va mourir en accident de voiture, lui et les quatre personnes, et grâce à cet accident-là, hélas, 50 000 juifs qui devaient mourir ne mourront pas. Ils devaient mourir de morts bizarres, des maladies, des accidents, tout ça, ils auront la vie sauve. Il se met à pleurer, il s'est déjà mis en situation de deuil alors que son frère est encore vivant. Et il y a eu un accident de voiture terrible, ils sont morts les cinq. Il avait dit à sa femme, il était au courant, il avait dit, si 40 jours, je ne meurs pas d'accident de voiture, alors on vivra longtemps en bonne santé. Et c'était le 40e jour la nuit. Parce qu'elle lui a dit, reste, non, il est parti comme ça, et hélas, ce qui est arrivé. Le fils de Baba Salé, c'est les grands sadikim, les pauvres, alors ils sont partis, et que Dieu a pris la tête d'Ibn Israël. Il s'appelait Baba Meir. Son vrai nom, c'est Meir Shalom, d'accord? C'était un tzaddik, il devait être Mashiach. Il connaissait toute la Torah. Il était plus fort que Baba Salé en Torah, plus fort que Baba Salé aussi en Shmirat Enaim, en gardant les yeux, d'accord? Il était énorme. Et de temps en temps, Baba Salé venait le voir à Ashdod, ils discutaient comme ça, une demi-heure. Là, ils ont discuté pendant une heure. Alors, quand Baba Salé est parti, avec son fils. Quand Baba Salé est parti, on a demandé à son fils, Baba Meir, mais pourquoi c'était tellement long cette fois? Il dit, on a eu une bagarre terrible. Il y a un décret terrible sur Israël, on s'est bagarré qui va mériter de partir pour annuler le décret dans le ciel. Et j'ai gagné. Et Baba Meir est mort, c'était Pessah, l'année 1983. Et environ 9 mois plus tard, son père est décédé lui aussi. Et le père a dit, c'est terrible, comment le fils part avant le père? C'est anormal. Mais dans la bagarre, c'est lui qui a gagné. Et on ne sait pas combien de dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes ont été sauvées grâce à ces tzadikim. Donc à nous de nous renforcer, surtout en étude de Torah de Trachem, faire tchouva, et ainsi tous les qui vivront. Amen, va amen.